la course. Je vais pas en louper. Hein.
c'est clair. Et je m'éclate. Allez, la course a commencé. Je sais même pas si sur combien de tours en plus. Oups. C'est la surprise du chef. Trois, deux, un. Et c'est parti, le championnat commence. Ouais. Ah non. Il y a encore un compteur. Oh. C'est incroyable ça. Il y a toujours des compteurs. Allez, plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Toyota Gazoo Racing GT Cup, série 2023, manche 1. Ah ouais, là, c'est la bonne. Bon, vu le temps autour que je prends, on va se prendre une petite toutouille encore. Une petite fessée, une petite déculottée là. Bon, allez, c'est pas grave. Hein. En ce moment, j'ai juste un peu envie de m'amuser comme ça. Faut bien que je m'éclate un peu quand même. On conduit plus IRL, mais il me reste encore les petits jeux de voiture comme ça, c'est sympathique. C'est sympathique. Fais chauffer le moteur et c'est parti.
Bon, bah, je suis mauvais, mais je pense qu'il y a plus mauvais que moi parce qu'on est parti à 16 et on se retrouve à 13 sur la course. Donc pour moi, ceux qui lâchent, c'est parce qu'ils sont encore plus mauvais que moi. Hein. Après, voilà le truc, quoi. Moi, je vois que ça. Hein. Je suis mauvais, mais il y a pire. Donc, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est très bien comme ça, c'est super top. Voilà pour ce petit championnat, je suis arrivé au 11e. Et on se retrouve, je sais pas, on se retrouve quand. C'est quand le prochain championnat, la prochaine course hein. Bon, bah, je suis assez content quand même. Au moins, moi, j'ai fini la course. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas vu que j'étais dans les premiers bah, que je suis parti, quoi. J'ai fini ma course jusqu'au bout. J'ai pas lâché. Bon, après, bah, je suis que 11e, hein, mais bon, j'ai participé jusqu'au bout. Hein. Et c'est ce qui compte, hein, c'est le principal. Hein. Hop. Alors, merci pour la course, c'était bien sympathique. Dommage pour les trois autres qui ont lâché, quoi, parce qu'ils ont lâché, quoi. Hein. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Moi, j'ai varié entre 11 et 13, 11 et 13. Voilà, ça s'est partagé. Un programme de l'épreuve, comme ça, je regarde c'est quand la prochaine.
Saint Pride le dimanche 14. C'est long, hein. C'est le mois prochain. Parce que là, on est le 30 avril, c'est ça, hein. Ouais, donc là, on est le 30 avril. La manchette, elle est même pas... C'est même pas c'est quoi comme course, la manchette. La deuxième manche, elle se passera sur le Sardaigne piste B. La manche 3. 4, 5, 6. On en a... Une course au mois de mai. Deux courses au mois de juin. Une en juillet. Et on en aura deux en août. Ok. Bah, on va essayer de pas les louper, ces courses. Hein. On va essayer de pas les louper, les courses. Non, non, celles-là, je les ai faites. Voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai des records pour avoir la médaille de... Attends, c'est quoi là? Or, argent, bronze. Voilà, j'ai les médailles de bronze, c'est suffisant. Ça me fait un peu de thune. Je suis pas là pour être le meilleur. Celle-là, je l'ai déjà faite aussi, je crois. Avec la TT. Non, j'ai pas fait que la TT. Je sais pas si je l'ai fait avec la TT. Après, en GR3, j'ai pas fait, c'est sûr. Mais j'ai pas envie. Je vais juste voir les voitures qui te... non. Louer une voiture spécifique. Il te montre pas la voiture. J'ai le droit d'utiliser tout ça. Ok. Et dans celui-là, j'ai le droit d'utiliser quoi? C'est une voiture sélectionnée, c'est une voiture. Il ne montre pas les garages. Et là, j'ai droit à tout cela. Ok. Ça marche. Mais j'ai pas envie. Combien de tours, là? Nombre de tours, 5. En plus, circuit de la Sarthe, c'est long. Celui-là, c'est combien? Nombre de tours, 5. Ouais, j'ai pas envie de me prendre le chou. Ici, c'est quoi le championnat? Ah, c'est sur le circuit de Sainte-Croix. Et celui de l'Asie, c'est lequel? Ah, celui que je viens de me taper. Mon Fuji. Ouais, parce que j'ai trois nouvelles courses, là, qui ont été débloquées. J'en ai déjà fait une, mais c'est en Formule 1. Je suis pas fan de Formule 1. Donc c'est un peu embêtant quand t'aimes pas... Quand t'aimes pas quoi, c'est comme ça. Il est sur combien de tours? 10 tours en plus. Oh là 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 là. Et celui-là aussi il est sur 10 tours. Ouais, encore pire celui-là, il est sur 15 tours quoi. Me taper 15 tours de Formule 1. Ça va être chaudard. Ça va être chaudard, chaudard. Ah, j'ai vu qu'ici qu'il fallait que je... Ah bah oui, c'est normal, il est là. On a quoi en plus? Un ticket de roulette 6 étoiles. Il faut se taper, il faut être au moins troisième minimum. Je crois que c'est 5, ça veut dire. Mais je sais même pas, je suis arrivé combien sur le Watkins Glen là. Et là aussi, ils ont rajouté des trucs là. Attends, il faut que je rachète du Toyota là. Une Prius et puis le. Une Toyota Alpha Executive Lounge et le Toyota Prius G. C'est Renault 9. Toyota Prius, je peux peut-être le faire celui-là. Celui-là, faut que j'ai le ticket de roulette. Bon, elle est forte, ça va être chaud.
Le Mustang aussi, ça va être chaud. Non, c'est quoi ça, Shelby? Shelby Cobra, ça vaut cher. La Ford Shelby GT350 2016. La Shelby GT350. Ça là, j'aimais bien aussi comme voiture. Un sillon roulette. Je vais peut-être essayer de faire celui-là de menu. Je vais peut-être le compléter. Normalement, si je fais ça, je vais pouvoir trouver assez vite où ils sont. Bah, je pense. Je vois que c'est rouge ici, donc je peux peut-être trouver. Et c'est en Pacifique, je crois. Je pensais que ça me disait plus d'informations, tu vois. Je crois que c'est chez Toyota. J'avais dit quoi, la Prius, je pense que c'est celle-ci. Bon, voilà, elle est marquée. C'est quoi comme voiture? C'est un moteur atmosphérique. Quelle couleur? Blanc, hop, rouge, voilà, hop. Oh, pas noir, allez, rouge. Allez, on s'appelle. J'ai combien là? J'ai combien? Je vais essayer de garder 10 000. Que cool, Claire. Ok, pas de soucis. Non, je vais pas la sélectionner. Je vais voir si je trouve l'autre là. L'espèce de. Voilà. Donc normalement le ticket là, il est accessible. Le petit ticket qui est ici là. Mais pourquoi? Mais maintenant je peux les déceler. Je trouve pas le mot. Je vais aller ici. Peut-être que ça va s'enlever le petit drapeau. Voilà, donc j'ai fini ce menu numéro 18. Et je vais recevoir la récompense. Félicitations, vous avez les trois voitures. Votre collection familiale Toyota est achevée. Dès que vous aurez récupéré vos récompenses, j'aurai tout un tas d'histoires à vous raconter à propos de ces voitures. Ben, j'ai toutes les récompenses. Allez-y, racontez-moi l'histoire. Collection familiale Toyota terminée, ouais! Belle photo, de belles voitures. Une voiture que j'aurais jamais. Et j'ai mon ticket de roulette. Alors, collection familiale Toyota, menu supplémentaire numéro 18. Alors, vas-y, raconte. Ces trois voitures conçues pour la vie quotidienne au Japon sont prisées pour leur valeur historique et culturelle. La Toyota Crow est la voiture de luxe par excellence au Japon. Ce modèle est une Crow 14e génération de 2012. On ne saurait exagérer l'impact de cette marque sur l'histoire automobile japonaise.
Son histoire commence en 1955, à une époque où posséder une voiture était encore assez rare. C'est dans ce contexte que la Crow est apparue, premier véritable véhicule de tourisme Toyota. Premier véritable. Pourquoi je dis première, moi? Premier véritable véhicule de tourisme Toyota. Une décennie plus tard, elle avait largement contribué à l'essor de la voiture privée au Japon. C'est une très grosse calandre. Et dans les années 1980, elle faisait l'envie de tous, comme le suggère le slogan « Un jour, une Crow ». Ok. La Prius est l'hybride de Toyota. Propulsée par le Toyota Hybrid System THS, elle est commercialisée depuis 1997. Ouais, l'hybride, hybride. Le TS associe un moteur unique et deux moteurs pour offrir des performances de conduite optimales. Encore aujourd'hui, cette technologie innovante reste au cœur de la production hybride de Toyota. Quand au monospace, ils sont la quintessence même de la voiture familiale japonaise. Apparus au Japon dans les années 1990, ils furent conçus pour les groupes voyageant à travers le Japon. Sa capacité à offrir une expérience de salon en mouvement a fait le succès de cette déclinaison japonaise. C'est vrai que ça avait l'air d'être très très confort à l'intérieur quand même. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Le Toyota Alphard fait partie de ces véhicules. Ouais, ouais, ronce de noyer et tout. Hein. Pas mal à l'intérieur. Mais je le trouve beau hein, quand même, pour un monospace, quand même, il est super beau. Et s'impose comme un exemple représentatif de la culture japonaise des monospaces. En plus d'être réputés pour leur confort, les monospaces se sont battus une réputation de véhicules de luxe. Je pense à ce que le prix doit faire mal. Mais bon, dans les jeux vidéo, c'est un peu moins cher, puis l'argent se gagne un peu plus facilement. Désormais, les consommateurs japonais considèrent d'ailleurs l'Alphard comme un véhicule de rêve. Et il gagne en popularité chaque année, non seulement au Japon, mais aussi à travers le monde. Cette collection est un aperçu de l'histoire automobile de Toyota et de la culture automobile japonaise en général. Ben, merci beaucoup, monsieur Lucas. Ce fut très sympa, monsieur Lucas. Très sympathique. Donc normalement, il n'y a plus le petit drapeau rouge. Là, si, encore le drapeau rouge. Pourquoi il y a encore le drapeau rouge? J'ai cliqué quelque chose d'autre, moi. Il faut que je regarde dans ce que j'ai cliqué là, parce que là, je vois un drapeau rouge dans les voitures neuves. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai cliqué. J'ai regardé. Ah oui, j'ai la Bugatti, mais pour l'instant j'ai pas le ticket Bugatti, donc c'est pas la peine, je peux l'enlever. Ça c'est quoi un ticket roulette? C'est quoi les voitures là? La Ford GT Mark 66 et la GT 17. Ah, je suis pas sûr de. La GT, la Ford GT 17. La 66, je suis pas sûr de la trouver. Je vais regarder juste un peu si s'ils sont là. Est-ce que je vois un drapeau rouge quelque part? Ah bah il y a la voiture drapeau rouge ici, ok. Donc ça ici je trouverai la 66. Voilà voilà. Mais le prix il fait mal à la culotte. Hein. Waouh, je vais souffrir. Mais non, j'ai pas envie de gaspiller de pognon tout de suite à ce point-là. Et dans la 9, je pense que c'est l'autre Ford, elle a combien? Ford, c'est en Amérique, ça, hein? Je pense, hein. Je pense qu'elle est ici, la Toto. Dès qu'on voit du rouge, il y a le petit drapeau. Il a combien?
Ah, celle-là, ça va encore. Si on disait que c'était des zéros, ça ferait quoi? 550 000 euros. Ah, que ça fait mal quand même, hein. Ok. Non, mais j'ai pas envie de dépenser là. Je me suis déjà fait un. Je retourne là. J'enlève. Je débranche, on va dire. Hop. Et ça, c'est pareil, Shelby. Je sais pas, où, je vois pas, je me rappelle plus où c'est Shelby. Je ferai du Shelby. Allez, Shelby, on est parti. J'ai coché les trois Shelby. Alors, est-ce qu'il y a du Shelby quelque part? Il y en a que dans voiture ici. Ok. Pour l'instant, ici, il n'y a pas. Alors, quel Shelby il nous montre ici? Amérique, toujours. Hein. Je pense que chez Ford. Ah non, Shelby, c'est Shelby, je pense, non? Je vais essayer comme ça. On est parti sur la orange. Non, je peux utiliser. Et pourquoi là il me remet Ah, c'est marqué là. Là, en Sprinter Trueno 1600. Bon, après, je cherche pas la première place, je veux juste participer au championnat, juste pour dire que je le fais. Pour preuve, tu vois, je l'ai fait, j'ai fait la course de midi, là, j'ai fini 11e, je crois. Et puis, bon, là, je suis content, je l'ai faite. On est quoi? On est parti à 16, on était 16 au départ de la course. On a fini à 13. On a fini à 13. Après, je suis pas bon, mais moi j'ai terminé la course, quoi. Donc ça me rassure, tu vois. Je dis, même si je suis pas bon, au moins moi je termine la course. Et là, trois autres que moi j'estime qu'ils devaient être moins bons que moi, vu qu'ils ont même pas osé terminer la course, quoi.
Après, je serais arrivé 16e, je serais arrivé 16e, tu vois. Moi, je m'en moque. Moi, le but, c'était de finir la course. Ouais, ça, c'est chaud. Après, c'est un vieux modèle, hein. C'est pas, c'est les années 80, ça, hein. Je crois, hein. J'ai regardé, mais... Je crois que c'était les années 80, ça, la bagnole, la petite... Ah, tu vois, années 80, hein. Ça date, hein. 80, 90, 2000. Et 40 ans, 40 ans la voiture, mon ami, 40 ans. Puis on roule pas avec des pneus slick, là, hein, pour le championnat, hein. Je crois que si je me trompe pas, on est en confort tendre, hein. Donc c'est les pneus de tous les jours. C'est les pneus de tous les jours. Hein, il faut que j'aille déjà. Non, faut pas que j'aille déjà rechanger l'huile. J'ai rêvé ou j'ai cru voir du jaune? Ah non, j'ai eu peur. J'ai ça, c'est flippé. Voilà, moi j'ai dit que je voulais regarder quoi là. Pourquoi j'ai le petit drapeau là? J'avais couché. Ah oui, parce qu'il y avait les deux. Non. J'avais regardé ici. Ben non, ça y est. Non. Non, j'ai décoché ça. C'est peut-être ici que j'ai couché. Là. Ah, peut-être qu'il me reste une des deux à trouver là. Peut-être que ça là je l'ai acheté donc. Ah, peut-être qu'il reste une des deux chez... Il faut que je retourne. Je vois qu'il y a encore le drapeau. Je sais pas si une marque... Si une marque, ça sort de l'autre fois, c'est en Amérique. Chevrolet Affinity. Affinity, ça c'est-elle ça. Ça c'est Credit. Non, bah non, je l'ai pas là. Est-ce qu'ils ont mis Shelby chez Shelby, quoi? Laquelle que... Ah non, bah c'est bon, je l'ai acheté celle-là. Je l'ai. Je n'ai pas d'autre. Hein. Non, il n'y en a pas d'autre. Obtenu, donc c'est bon, j'ai besoin de la racheter. Bon, c'est bon, je peux décocher, là. Je peux décocher la 2016 là. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'était? C'était ici. J'ai fait P5, P6 et P9. Place 5, 6 et 9. Ouais, moi j'en fais juste une, je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête. La prochaine que je ferai là maintenant, ça sera le mois prochain, je crois, j'ai vu. Hein. Si j'ai vu le champ. Je crois qu'il y en a plus ce mois-ci. Je crois qu'il y en a plus ce mois-ci. C'est quoi comme voiture? Alpine Vision Grand Tourisme. Je vais voir si je pense c'est quoi ça, un ticket 5 étoiles. Je vais voir si. Je vais quand même vérifier. Il hein. Faut que je sois sûr que je n'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 14 mai. Non, je te dis, moi je cours pas après les points. J'ai fait mon tour, je suis arrivé 11e, ça me suffit. Allez hop, j'ai participé, je suis content.
Tu veux bien te classer, il te faut des points. Plus tu fais de quoi, je me doute. Ne cherche pas à me classer. Je veux juste de temps en temps me faire une petite course comme ça comme on dit, que je suis pas fan de. Ouais, en PVP. Voilà. Player versus player, mais de temps en temps. Après, je suis pas fan du PVP en règle générale. Bah, moi j'ai trouvé ma course assez fair play, ouais. Je sais plus c'était quoi le dernier championnat que j'ai fait là. Il y avait un mec qui arrêtait pas de te foncer dans le cul ou dans les virages, il venait t'éjecter du circuit. C'était pas très fair play là. Mais là c'était sympathique, franchement, non, ça va. Franchement, il n'y a pas eu trop de choc. Non, non, c'était une belle course. J'étais assez contente de la course. Que c'est vrai, des fois c'est chiant, t'as des mecs, je sais pas pourquoi ils sont là. Mais un Italien? faut que j'aille en France, je pense, pour ça. Hein. Ça, pour regarder là. C'est celle-ci. Elle fait quand même 1 million quand même. Hein. Moi qui voulais garder 10 millions de crédits. Donc j'achèterai pas. Bon, bah, j'achète pas. J'achète pas. Ah, attends, c'est quoi là? Comme si je vais. C'est un truc bizarre des fois, ça marque. En haut à droite, que ça marque quoi en haut à droite? Des voitures sont disponibles à l'achat, ok. Et quand tu cliques là-dessus, ben je l'ai. Je l'ai. Et je l'ai. Donc je les ai achetées, toutes ces voitures, c'est bon. Après UG, l'Alpha G, la Shelby G, et l'Alpine, non, je sais pas. Je sais pas. Je croyais que ça décochait une fois que tu l'avais acheté. C'est moi qui dois le supprimer de la liste, ok. Non, moi celui-là j'ai, je peux supprimer la Shelby G, je sais pas me donner la liste, la Prius G, donc je supprime de la liste. Et puis ça je vais supprimer parce que je crois que j'ai décoché, ça je trouve trop cher pour l'instant. J'ai pas du tout envie de dépenser. De pognon, je suis radin. Non, c'est bon, j'ai décoché. Non, ils sont tous décochés. J'allais voir un petit peu mes cadeaux. Il y a 2 tickets à voir. J'ai 2 tickets. J'ai récupéré 4 voitures. Alors, faut que je voie les petits points rouges. Alors, ça, c'est un peu plus difficile. Les petits points rouges, les petits points rouges. Et ben, mis 4 voitures. J'ai 3 japonaises. Voilà, j'ai essayé de les retrouver là, les voitures. 3 petits points rouges. Je crois que je vois la Prius là. Ok, donc on a la Prius. Je ne suis pas fan du tout. Non, mais il y a la Croc quelque part. Attends, ça va être la fameuse Croc. Ah non, j'avais gagné la 86 Limited. J'avais même pas vu. Celle-là, j'aime bien celle-là. La GT 86.
Bah, elle est où la croix? Je vois l'alphare. Je vois pas la croix. Où est-ce qu'ils l'ont mis la croix? J'ai bien chez Toyota. Je la vois pas la croix, je la vois pas, je suis complètement. Ah si, elle est là. Et pourquoi il me l'a. C'est pas celle-ci? Ah, ça c'est vraiment modèle luxe quand même. Monsieur le Président. Ok. Celui-là, j'ai trouvé joli celui-là. Donc il reste une voiture que j'ai pas vue, mais alors c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, aux États-Unis là, Shelby. France, Japon, Royaume-Uni. Ah, ça sera sûrement par ici, je vais la trouver la Shelby. Où est-ce qu'elle est cachée? Où est-ce qu'elle est cachée cette Shelby? Corvette, Ford, Camaro, Corvette, Mustang, Syrah, Corvette, Vapor, Viper, Mustang. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Putain, dis donc, j'ai du mal moi avec les petits points là, c'est vraiment trop petit pour moi. Hein. Ben voilà. Allez, les deux petits tickets de roulette, on va voir ce qu'on nous offre. Donc là, on a que des pièces de voiture ou un truc de garage, mais ça, j'ai même pas eu les infos pour acheter un modèle spécial Porsche. Ça, c'est des trucs qui servent à rien chez moi. Moi, on ne m'impose pas d'acheter des voitures. Hors de question. 500 crédits, hein, c'est pas mal. 500 crédits, c'est pas mal. 500 000 crédits, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, je suis assez content des 500 000 crédits, là. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Oh, je déteste ça quand même, c'est dommage que je déteste la formule hein, quand même. Qu'on aura ajouté un menu Formule 1, non, mais je déteste la Formule 1. C'est pas croyable ça. Ouais, je vais me faire défoncer en Formule 1.
on peut prendre à fond aussi. Bravo la pénalité du gui. Je sais même pas où j'ai coupé quoi. Oh, c'est pas très verblaisant. Hein. Faut que je reste concentré, faut que je reste concentré. Merde. Bon, pour moi, ça sera une des courses les plus dures que j'ai faites avec l'IA.
celui-là, il n'arrive pas à le prendre. Pas du tout. Une catastrophe. Ils sont pratiquement morts. J'ai juste jusqu'à la moelle. Vas-y, je tente, je l'ai juste jusqu'à la moelle. Non, allez, quand même, j'ai pas envie. J'ai quoi comme pneu? Super tendre, c'est pas cool, hein. À la vitesse que j'use les pneus. Wouhou!
pas laisser passer le galop là. C'était sûr, c'était sûr. Pardon, monsieur Lopez. C'est pas mon virage du tout, hein.
Bon, on a quand même deux actions qui n'étaient pas très fair-play. Après, c'est les autres actions, c'est de la non-maîtrise. On a déjà le premier choc là. C'était déjà pas très fair-play là. Le premier choc, c'était. Non, je sais pas pourquoi, je vais foncer dedans comme un sauvage. C'était du barbare de chez barbare. C'était du sauvage de ces sauvages. Bon, bah allez. C'était pas tout ça. Non, je suis allé go miam. Je commence à avoir faim. C'est dimanche, on mange tard. Hop, on va fermer le stream avec la voiture de la première course. En plus, tu vois, il faudrait que j'aille changer l'huile. Hop. Et puis là, on se retrouve le jeudi, le con se retrouve. Ah, peut-être avant, mais déjà pour le. Ce championnat, j'ai dit qu'on se retrouve, on se retrouve, on se retrouve. On se retrouve. Ok, on se retrouve le 14 mai. Ok. Et c'est quoi le circuit là? Le Sardaigne Piste de B. Le Sardaigne Piste B. Le Sardaigne, ça c'est en France, hein, le Sardaigne. Je veux juste regarder, de temps en temps je viendrai jouer. Hein. Hors stream, mais le Sardaigne. Il n'y en a qu'un Sardaigne. Non, il y a peut-être un autre alors. Que je vois pas. Ah, celui-là. Ça doit être celui-là là. Le A, le A, le B. Ok. Ah, j'ai pas vu, c'était lequel aussi. C'est l'inversé ou le B tout court? Je viendrai faire quelques tours de piste de temps en temps. Avant la prochaine course. Le Sardaigne Piste B. J'ai pas vu inversé, hein. Que je dis pas de bêtises. Non, c'est le piste B tout court. Ok, ça marche. Sardaigne piste B alors. Ouais, c'est bon, non, mais c'est bon. Le dernier championnat, la dernière course de Formule 1, je sais pas quand je la ferai. Je la ferai en stream aussi. Vu que j'aime pas. À tout bien, tout honneur. J'aime pas les courses de Formule 1. Voilà. Allez. Hop. Bon, écoutez, moi, je vous remercie à tous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Après, désolé, je suis pas arrivé dans les premiers. Hein. Mais moi, je suis pas à la course au point. Je veux juste faire un petit moment de participation au championnat. Je cherche pas à me classer personnellement. Comme je vous dis, c'est juste. Je veux que ça reste un course de plaisir. Que je suis pas un grand compétiteur. Mais j'aime conduire en général, et vu que je conduis plus après suite à l'AVC IRL, donc je me venge un petit peu sur le jeu vidéo.
et la concentration n'est pas assez bonne pour dire que je me lance vraiment dans du championnat, il y a trop de concentration, donc le but c'est vraiment de me faire une petite course pour le plaisir. Et puis quoi, voilà quoi. Voilà quoi. Merci Blue Fire pour leur follow, ça fait très 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 plaisir. Et GG ma petite Claire pour ton level up là. Je crois que t'es passé level 71, un truc, ou 70, un truc comme ça. 71 je crois. Donc GG ma petite Claire pour ton level up. Hop. Et encore un grand merci à toi Blue Fire. Et qui sait, moi j'en fais pas souvent des courses en championnat. Ça se tombe, on se retrouvera. On se croisera peut-être sur une course PVP comme ça, quoi. Mais bon, moi je te dis, hein, moi je cherche pas le challenge, je cherche pas la compétition. C'est vraiment juste pour dire, ben, je me fais une petite course de circuit. Si j'avais les moyens et la concentration encore bonne, j'irais me faire un petit tour de circuit IRL sur la Sarthe, ou si j'irais en Allemagne me faire un petit tour de circuit sur le Nürburgring, tu vois, des circuits réels qui existent. Je sais qu'on peut aller faire des tours de circuit avec sa propre voiture. Tu vois, j'irais me faire des trucs comme ça, mais la concentration n'est plus assez bonne et donc je reste sur le jeu vidéo. Et puis voilà quoi. Allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, hein, à tous les neurones qui me manquent là. Et que de quoi, faut être le même rang de pilote pour tomber ensemble. Ah merde. Ah dommage quoi, je suis pas un gros rang, moi, je suis pas assez moi. Bah qui sait, peut-être qu'un jour je ferai des petits salons juste pour le fun. Je crois qu'on peut créer nos propres salons pour faire des petites courses amicales comme ça. Vu que je suis pas encore à fond PVP, donc j'ai pas trop comment on dit, explorer un petit peu les possibilités qu'il y a en mode PVP. Voilà. Donc sur ce, bah moi, pour ceux qui n'ont pas mangé, parce que moi je vais aller manger, je vous souhaite à tous un bon appétit. Hein. Et puis encore un grand merci à toi, Blue Fire, pour le follow, pour la petite discussion, pour les petites questions. Bah bravo pour tes places. Hein. Tu m'avais dit place 5, 6 et 9, c'est pas mal. Avec ce vieux modèle de 83, si je me trompe pas. Avec des pneumatiques de tous les jours. Ça c'est pas du pneu slick, hein. C'est vrai que chaud. Bah sinon je te souhaite bonne chance pour la suite. Non, on va pas dire bonne chance, on dit pas comme ça. Comment on dit ? Genre, je te dis merde. Et j'espère que tu te classeras bien. Parce que déjà c'est déjà pas mal, tes places sont déjà pas mal. Je trouve ça pas mal quand même. Allez, moi sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je remercie tous les petits neurones qui me suivent, quoi. Allez, gros bisous, 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 bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt. Et puis, bah voilà, hein, pour les redifs, ça se passe sur YouTube. Après, toutes les bêtises que je peux faire, ça se passe sur TikTok. Et puis, bah, pour tout ce qui est direct, c'est sur Twitch. Voilà. Allez, moi, je vous dis à bientôt sur AVC Lucky. Ciao, ciao. Et passez une très bonne après-midi. Pardon. Excusez-moi. Allez, bye bye tout le monde.